Mais pourquoi la Formule 1 s'appelle Formule 1 ? Le mot « formule » fait référence à l'ensemble des règles associées à la course automobile. La Fédération Internationale du Sport Automobile, dite FIA, a décidé de réglementer les courses automobiles dès les années 40. Et en 1946, la première course automobile se déroulant sous le nom de Formule de course internationale A, vite abrégée en Formula, puis Formule 1, se déroule à l'occasion du Grand Prix de Turin. Car oui, l'appellation Grand Prix existe depuis bien plus longtemps, 1906 pour être plus précis. L'épreuve s'est déroulée lors d'une course réalisée près du Mans. Le vainqueur y a remporté un grand prix qui était alors de 45 000 francs à l'époque, correspondant à peu près à 200 000 euros aujourd'hui. La première saison complète de course automobile aura lieu en 1947, et d'autres catégories naîtront comme la Formule de course internationale B, abrégée ensuite en Formule B puis Formule 2. Le championnat du monde de F1 qu'on connaît aujourd'hui est lui apparu en 1950. Maintenant vous avez la réponse à la question.